avant de vous asseoir, prends le temps de saluer 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. Tu peux passer à 7, le chiffre de la perfection. Salue 5 ou 7 personnes si tu veux aller jusqu'au bout. Fais-le avec le sourire et fais-le de tout ton cœur. Salue ton frère, salue ta soeur avec le sourire. Celui qui ne sourit pas, tu peux lui dire, on t'a dit de sourire, donc il faut me sourire, tu n'as pas le choix. Si quelqu'un est venu ici avec des desseins mauvais, tu ne pourras rien faire, ne t'inquiète pas. Si tu es envoyé par le monde des ténèbres, ton pouvoir est déjà neutralisé. Ici, tu ne peux rien faire. Jésus-Christ règne, je plaide le sang de Jésus sur toute l'atmosphère, sur toute l'assemblée, dans le nom de Jésus le Christ. Le diable en venant à ICC doit souffrir et nous devons lui faire savoir qu'il y a quelqu'un ici qui a été envoyé pour le tourmenter. Quelqu'un me dit Amen. Cette semaine, nous sommes reconnaissants. Dis avec moi, nous sommes reconnaissants. Est-ce que tu es vraiment reconnaissant? Dis un mot Amen. Cette semaine, nous allons rentrer dans la parole, mais je voudrais d'abord prendre le temps d'accueillir une famille, la famille de Bruxelles, une délégation de Impact Centre Chrétien de Bruxelles. Ils sont là, je ne sais pas où ils sont, mais ils sont là ce matin, ils sont quelque part dans l'Assemblée. Ils sont venus pour passer toute la semaine avec nous en immersion à Impact Centre Chrétien Brazzaville. Pouvons-nous... Ils sont où les amis de Bruxelles? Là, mettez-vous debout. Mettez-vous debout, c'est un ordre, voilà. Parmi ICC, pouvons-nous apprécier nos bien-aimés de Bruxelles? Ouais, ils ont fait le déplacement de très loin. Hey, est-ce que tu es en train de bénir Dieu pour tes frères, pour tes soeurs? Béni soit Dieu. Une maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous. Voilà. Comme ça, moi, quand ils vont repartir, ils vont dire, on était à Brazzaville, là-bas, c'est la chaleur. Ils vont dire, mon ami, Brazzaville, ICC. Votre foi sera reconnue dans le monde entier. On entendra parler de ce que Dieu est en train de faire ici. Celui qui a commencé cette belle ville et c'est lui qui va continuer à l'accomplir. Donne un bon Amen. Voilà, nous vous saluons donc dans le nom de Jésus le Christ. Cette semaine, nous avons notre semaine de convocation solennelle. Cette semaine est une semaine de jeûne et de prière. Moi, j'appelle cela la semaine de convocation solennelle ou encore la semaine de rafraîchissement spirituel. C'est-à-dire qu'on vient en renouveler. Quand on sort de là, le monde des ténèbres doit avoir des problèmes. Et cette semaine encore, ils ont des problèmes. Pas ils auront, hein, ils ont déjà des problèmes. Vous savez, j'étais meurtri de voir quand j'ai vu les enfants qui fouillaient. Oh, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? J'ai vu des enfants qui couraient, qui quittaient les salles de classe. Je disais, mais non, 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 il y a eu une erreur sous le soleil, il y a eu une erreur. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux hommes de fuir devant le diable. Parce que depuis environ 2000 ans, alors que le sang de Jésus a été versé, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir, mon ami, il faut aller faire connaître l'évangile. Il faut aller annoncer l'évangile. Il faut aller dire aux hommes, aux habitants du Congo, que le pouvoir a changé de main. Il fut un temps où on reculait devant l'ennemi, devant le diable. Non, non, non. Le pouvoir. Le pouvoir a changé. À cause du sang, le pouvoir a changé de main. Mais ils ne le savent pas, ils vont le savoir. Parce que toi et moi, nous allons leur faire savoir. Est-ce qu'il y a des gagneurs d'âme dans ce lieu? J'avais une violente, asseyez-vous, j'avais une violente et une saine colère. Mon être était tourmenté. J'ai dit, mais non, Seigneur, il y a une erreur. Non, c'est une erreur. Il m'a dit, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Comment le diable peut faire fuir la nouvelle création? Je suis né de Dieu. Je suis né de nouveau. Je dis, Seigneur, avançons seulement. Quelqu'un doit rappeler au monde des ténèbres ce qui s'est passé à la croix. Quelqu'un doit leur rappeler, ce quelqu'un c'est toi. Si je parle à toi, tu me dis un bon Amen. Donc, oh miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, le temps passe tellement vite. Nous parlons toujours, nous sommes toujours sur le thème, la grande série de la mystère de la puissance de la résurrection de Jésus, le Christ. Nous sommes sous le thème général de conquérir notre héritage.
qui nous a été donné en Christ. Parce que à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth d'entre les morts, celui qui croit en ce Jésus, pas en n'importe quel Jésus, en ce Jésus qui a été crucifié, qui est mort et qui a été enseveli et qui le troisième jour ne pouvait pas rester dans la tombe et qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui met sa confiance absolue en lui, celui qui s'appuie sur lui, celui qui fait de Jésus ce Christ ressuscité le centre de sa vie. La Bible dit que celui-là, il est né de Dieu, il est devenu enfant de Dieu. Waouh, je suis enfant de Dieu. C'est une partie de mon héritage. Mon statut a changé. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin dans ce lieu? Ah, mon ami, quand tu es enfant de Dieu, tu dois dire un amen d'enfant de Dieu. Et il nous a dit que si nous sommes enfants de Dieu, alors, par la grâce de Dieu, nous sommes aussi des héritiers. Héritiers de Dieu et héritiers joints avec le Christ. Waouh! Est-ce qu'il y a des héritiers de Dieu ce matin dans ce lieu? Donne-moi un amen de quelqu'un qui est héritier. À force de dire amen parce que tu es héritier, tu vas voir que l'héritage va pleinement se manifester dans ta vie. Ah non, il y a un héritage. Et cet héritage, on le conquiert par la foi. Nous sommes en train de voir qu'on engage la force de la foi. L'héritage, c'est tout ce que Dieu nous a donné en Jésus. C'est tout ce que Jésus a fait pour nous. Et Jésus a fait quoi? Il a tout accompli. En retrouvant ta vie que tu vis aujourd'hui, tu n'as pas à la vivre. S'il y a des choses dans ta vie qui ne te plaisent pas, ce n'est pas normal. Tu n'as pas à les vivre. Pourquoi? Parce que Jésus a payé tout ce qu'il fallait payer. Il a payé quoi? Son sang. C'est le prix pour te donner un héritage. C'est la rançon qu'il a versée pour toi afin que tu deviennes héritier de Dieu et que tu aies un héritage. Si quelqu'un me suit, dit amen. Et depuis plusieurs mois maintenant, nous sommes sur ce thème de conquérir notre héritage. Et depuis plusieurs semaines, nous parlons d'engager la force parce que l'héritage, on ne le conquiert pas juste en le regardant. Non, on le conquiert en engageant la force. Il faut être un violent, il faut être un conquérant, il faut être un vaillant homme. Il n'y a pas de place pour l'héritage si tu es un timide, si tu es un peureux. Voilà pourquoi quand on est peureux, de la peur, on passe à la force, à la hardiesse, au courage. Et c'est ce qui a commencé à arriver à beaucoup d'entre nous. Si c'est à toi que je pardonne, un bon amen. On engage l'héritage, on conquiert l'héritage. En réalité, quand on dit posséder l'héritage, on le possède, mais on le possède par l'esprit, la mentalité des conquérants. Est-ce qu'il y a des conquérants pour le royaume ici? Nous sommes en train de parler de la conquête par la foi. Engager la force de la foi. Nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul type de foi, c'est la foi de Dieu. Il n'y a qu'un seul type de foi, la foi de Dieu. Nous avons vu que celui qui est né de nouveau a déjà reçu la foi de Dieu. Il a reçu quoi? Une mesure de la foi de Dieu. Cette mesure de la foi de Dieu t'a déjà été accordée. Maintenant, c'est ta responsabilité de la faire grandir. La foi doit grandir. Il y a deux niveaux de foi. La petite foi ou encore la foi qui est faible, elle est molle, elle est petite. Ou encore la grande foi. Et depuis plusieurs semaines, le Saint-Esprit est en train de nous amener à comprendre comment fonctionne la foi. Il a commencé à nous expliquer comment fonctionne la foi. Et il te dit que ta foi ne doit pas rester petite. La plupart des croyants ont une foi petite. Voilà pourquoi ils font des petites choses. Petite foi, petit résultat. Le problème, c'est que la petite foi, Dieu ne nous a pas appelés à marcher dans une foi qui est petite. Il nous a appelés à marcher dans une foi qui est grande. Exactement comme Jésus le Christ. Jésus avait une grande foi. Il était un homme de grande foi. Et il est en train de faire de toi quelqu'un de grande foi. Petit à petit, ta foi est en train de jumper. Elle est en train de monter. Elle est en train de s'intensifier. Si c'est à toi que je parle, donne un bon amen. Il a dit que toutes choses sont possibles. Mais elles sont possibles pour celui qui croit. Autrement dit, tout dépend de ton niveau de foi. Tout dépend dans la vie de ton niveau de foi. Ton niveau de foi détermine tes performances. Ton niveau de foi détermine là où tu es. Le niveau de foi que tu es en train de développer aujourd'hui détermine là où tu seras demain. Il n'y a pas de raccourci. Veux-tu faire des grandes choses avec Dieu, des exploits avec Dieu? Il faut augmenter le niveau de foi. Le niveau de foi est ce qui pose la plupart des problèmes au peuple de Dieu. Parce que notre foi est constamment bombardée. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Amen. Je vous le dis encore, il est dangereux de vivre avec une foi qui est petite. Elle peut marcher, c'est vrai, mais elle va vite couler. Elle peut commencer, mais elle va vite s'arrêter. Comme Pierre qui a commencé à marcher sur les eaux avec une foi petite et il a coulé. Parce que pour tenir, il ne fallait pas que la foi soit petite. Il fallait que la foi soit grande. Et Dieu est en train de rendre ta foi très grande.
Et d'ailleurs, ils rendent tellement ta foi grande que toi, là, on va entendre parler de toi. Mais quand on parle de toi, c'est ta foi, on parlera de ta foi. Des exploits de ta foi. Oh, si je parle à quelqu'un, dis amen. Ce n'est pas une question de titre de pasteur ou d'ancien, non. C'est une question de foi. Ce qui est bien avec la foi, c'est qu'on peut naître de nouveau hier, mais avoir une foi qui bondit vite. On croit simplement à ce que Dieu a dit, et puis on engage. On croit ce que Dieu a dit, on obéit. Oh, quelqu'un me dit amen. C'est trop dangereux de vivre avec une petite foi. Mais c'est excellent, magnifique de vivre avec une grande foi. Et c'est là où Dieu est en train de t'emmener. Quelqu'un me dit un bon amen. Donc, après avoir parlé de beaucoup de choses, nous avons commencé à parler des ennemis de la foi. Pourquoi est-ce que les gens restent à une petite foi? Pourquoi est-ce que les gens sont encore cantonnés à une foi qui est petite? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un ennemi de la foi. Un redoutable ennemi de la foi qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Et cet ennemi de la foi s'appelle l'incrédulité. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Amen. Lorsque dans le livre de Matthieu, chapitre 17, les disciples ont vu l'enfant lunatique. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Ils n'ont pas pu chasser, expulser le démon. Ils se sont retrouvés alors qu'ils avaient déjà chassé d'autres démons. Ils avaient déjà guéri des malades. Mais devant ce cas-là, ils ont échoué. Devant ce cas d'un enfant épileptique qui se manifestait, le démon l'agitait dans tous les sens. Les disciples, la Bible dit qu'ils n'ont pas pu chasser. Ils étaient frustrés. Jésus a dit, emmenez-moi l'enfant. Et tu vois, devant les manifestations démoniaques, la violence, parce qu'il y a des situations de violence. Il y a des choses que tes yeux voient. Tu dis, ouh, tu es impressionné, tu es intimidé. Il y a des choses qui peuvent te faire peur quand tu entends. Oh, quelqu'un dit amen. Il y a des choses qui peuvent te faire peur quand tu vois. Quelqu'un dit amen. Et alors, ta foi prend un coup. Ta foi a opéré dans cette situation-là. Mais devant celle-là, tu dis, ah, Seigneur, au secours. Ça ne marche pas. Et lorsqu'ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ne se sont pas contentés de rester dans cet état d'échec. Non. Ils ont dit, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il n'a pas dit parce que le démon est trop fort. Aucun démon n'est trop fort. Laissez-moi ça. Quel est le sorcier qui est assez fort pour t'ébranler? Montrez-le-moi. Quel est le gars qui est assez lourd pour nous écraser? Montrez-le-moi. Il n'a jamais existé. C'est un mort-né. Il y en a un seul qui est puissant. On l'appelle Jésus, le Christ. Quel est ce sataniste qui est assez fort? Ah, miséricorde. Qui? 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 Je suis couvert par le sang de Christ. Tu es couvert par le sang de Christ. Donc déjà, ta position est une position d'avantage, de supériorité. Et le glorieux Saint-Esprit est venu habiter en moi. Donc déjà, sans même faire d'efforts, je suis plus que vainqueur. Que j'ai prié le soir, que je n'ai pas prié le soir. Quand je me réveille le matin, je suis plus que vainqueur. Quand je me couche le soir, que j'ai prié, je n'ai pas prié. Il me suffit juste d'être conscient. Je suis couvert par le sang de Christ et je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne suis jamais désavantagé. Là, je te parle par le langage de la foi. C'est le langage des vainqueurs. On ne marche pas selon ce qu'on voit. Non, il leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous dis, si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, tu parleras et les montagnes t'écouteraient, les problèmes t'écouteraient, les circonstances t'écouteraient. Il dit, mais là, vous avez eu un problème. Il dit, mais pourtant, on avait chassé la dernière fois. Il dit, oui, mais là, il y a eu un problème. Ce que l'ennemi a fait vous a intimidé. La manifestation de ce démon, il prend l'enfant, il le jette dans le feu, il le jette dans l'eau. Dès qu'il voit les disciples, commence à baver. Tu dis, eh? Ils ont été impressionnés. Ils ont été effrayés. Ils ont été apeurés. Et là, Jésus leur a dit, en réalité, cette sorte, d'autres versions disent de démon, cette sorte, je dis aussi, ça peut être de démon ou d'incrédulité, ne sort que par le jeûne, par la prière plutôt, et par le jeûne. Par la prière et par le jeûne. Il y a des choses, des situations qui se plient.
par la prière et par le jeûne. Dis amen et je continue. Mais ce qui m'intéresse, il y a tellement à dire, je ne voudrais vraiment pas aller vite dessus. Le sujet est trop important. Tu dois comprendre pourquoi la plupart des gens échouent et pourquoi certains n'échouent jamais. Parce qu'ils ont appris à protéger leur cœur de l'incrédulité. Ils ont appris à se protéger de l'incrédulité. L'incrédulité. Le mot foi vient du mot grec pistis. Le mot incrédulité vient du mot grec apistis. C'est-à-dire, d'un côté, la foi, c'est la confiance, c'est l'assurance, c'est la pleine conviction. Mais nous sommes dans un monde de ténèbres. Dans ce monde de ténèbres, il y a constamment un bras de fer. Il y a constamment une guerre entre ta foi, entre la foi et l'incrédulité. Parce que autant Dieu veut faire quelque chose, mais autant il y a des circonstances qui se lèvent pour défaire ce que Dieu a envie de faire au travers de toi. Tu as envie de faire quelque chose, mais des choses, des événements vont se passer autour de toi pour défaire ce que tu as envie de faire. Tu as envie de nouer quelque chose. Il y a des situations, des circonstances qui vont se lever pour dénouer ce que tu étais sur le point de nouer, pour délier ce que tu étais sur le point de lier. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis amen et je continue. Les gens qui ont une grande foi ont appris à se débarrasser de l'incrédulité ou à rejeter l'incrédulité ou encore à protéger leur cœur de l'incrédulité parce que l'incrédulité c'est une force qui s'oppose à la foi. Une force qui fait quoi? Qui s'oppose, qui annule ta foi. Ah bon? Ma foi peut être annulée? Oui, ta foi peut être annulée. À cause de quoi? L'incrédulité. Si quelqu'un me suit, dit amen et je continue. Donc, si tu veux augmenter la foi, il faut apprendre à vaincre l'incrédulité. Il faut apprendre à vaincre l'incrédulité. Or, nous sommes dans un monde où l'incrédulité, cette force négative qui s'oppose à la foi, qui annule la foi, l'incrédulité se manifeste dans la vie de tous les jours, à tout moment, en toutes circonstances. Le monde des ténèbres qui nous entoure est un monde qui t'envoie des signaux, qui te rend incrédule. Voilà pourquoi la plupart des gens, ils ont bien commencé et avec la bonne foi, leur foi a été attaquée. Ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été incrédule. Tu avais bien commencé, tu peux mal finir parce que ta foi peut être attaquée. Voilà pourquoi il est important de regarder les différentes formes d'incrédulité. Nous avons regardé les premières formes d'incrédulité quand dans Matthieu 6, nous avons parlé des soucis de la vie. Parce que les inquiétudes, dis avec moi les inquiétudes. Hein, les inquiétudes, les soucis, ce sont là des différentes, ce sont là des formes d'incrédulité. Dis avec moi incrédulité. Donc on a vu que quand quelqu'un se fait beaucoup de soucis pour le pain quotidien, pour les études, pour le loyer, pour l'argent, pour les vêtements, pour le manger, le boire, ses besoins de base, quand tu t'inquiètes trop pour ces choses, il te dit mais tu t'inquiètes parce que ce sont des soucis, c'est une forme d'incrédulité parce que ta foi est donc attaquée. N'oublie pas que l'incrédulité est un redoutable ennemi de la foi. Toutes les fois que quelqu'un se fait du souci, ah je me fais du souci, ah je me fais du souci, mon ami c'est ta foi qui est attaquée parce que les soucis c'est une forme d'incrédulité. Dieu t'a dit ne te soucie pas de ces choses, cherche seulement les intérêts du royaume de Dieu. Occupe-toi, attache-toi seulement à ce qui plaît au cœur de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. C'est parce que les gens n'ont pas compris ça que les frères et les sœurs sont en train de souffrir. Mais toi, tu as entendu et tu as compris. Maintenant, tu fais du royaume de Dieu, de l'expansion de la famille de Dieu, du salut des âmes, de l'affermissement des âmes, du bien-être des hommes. Ta priorité, ton focus, ta vie sera différente. Les choses pour lesquelles tu avais l'habitude de courir vont se mettre à courir pour toi. Oh, quelqu'un dit amen. Donc, le remède ou l'antidote, quand quelqu'un s'inquiète trop, le remède, un, c'est tourne-toi plutôt, occupe-toi plutôt des intérêts de Dieu, dis amen. Deux, médite sur la bonté de Dieu. Parce qu'il dit toujours, votre Père céleste, ce que vous en avez besoin. Votre Père, il n'a pas dit votre Dieu, il a dit, ton papa sait que tu veux te marier. Ton papa sait que tu as besoin des enfants. Ton papa sait que tu cherches un bon travail. Ton papa sait, ton papa sait. Et ton papa te dit, cherche d'abord mes intérêts. Occupe-toi de mes fardeaux, de mes problèmes. Et je m'occuperai des tiens.
Si tu reçois ces paroles, donne un amen et je continue. Mon ami, n'oublie pas ces choses. Elles sont capitales, elles sont fondamentales. Dis amen et je continue. La peur est une autre forme d'incrédulité. Plutôt, on a vu là l'incrédulité donc due qui se manifeste par les soucis, mais il y a aussi cette forme d'incrédulité qui se manifeste par les cinq sens. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples qui n'ont pas pu chasser. Dis avec moi les cinq sens, c'est-à-dire ce que tu vois. Fais attention mon frère, fais attention ma soeur. Ce que tu vois peut t'affecter. Voilà pourquoi David a dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Mes yeux ne peuvent pas tout voir. Mon frère, quand tu regardes trop la soeur, ce que tu regardes là, je ferme la parenthèse. Car je ne peux pas glisser là-bas, donc je me tais seulement. Tout ce que tu vois peut t'ébranler. Tout ce que tu entends va t'affecter. Fais attention à ce que tu entends. N'essaie pas d'entendre tout. Ne cherche pas à connaître tous les massolos du coin. Dis amen. Oh, dis amen. Oh. Il y a quelqu'un ici, tu aimes trop les ragots. Et ça te pollue tes oreilles. Tu te dis que ça ne te fera rien. Non, tout ce que tu entends a un impact sur toi. Tout ce que tu vois va t'impacter. Vois les bonnes choses et entends les bonnes choses. Sens les bonnes choses, goûte les bonnes choses, touche les bonnes choses. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Parce qu'à travers les cinq sens, l'incrédulité se manifeste. Et Jésus nous a dit que dans le cas où les cinq sens sont tellement touchés, comme dans le cas de ses disciples qui n'ont pas pu chasser, dès qu'ils veulent chasser des démons, ils entendent le bruit, ils entendent le hurlement, ils voient quelqu'un qui se manifeste, un esprit qui se manifeste avec une grande violence. Ta foi que tu avais pour le chasser, pour guérir la situation, peut être affectée. C'est une forme d'incrédulité. Et Jésus nous a dit que dans ce genre d'incrédulité, dit amen. Il dit cette sorte de démon ou encore cette sorte de manifestation démoniaque qui t'effraie, elle ne peut que partir. Cette forme d'incrédulité, tu peux t'en séparer par une vie de prière et une vie de jeûne. C'est-à-dire que quand tu es un homme qui est constamment rempli de l'esprit et de temps en temps tu jeûnes pour assujettir ta chair, pour discipliner ta chair, tu jeûnes pour affaiblir ta chair. Parce que quand tu jeûnes vraiment, le vrai jeûne, pas la grève, pas la grève de la nourriture, non. Mais quand tu jeûnes vraiment, tu te tiens dans la présence de Dieu. Du matin au soir, tu pries, tu médites la parole, tu te reposes. Tu pries, tu médites la parole, tu te reposes. Tu chantes des louanges, tu honores Dieu. C'est ça ta journée. Dis amen. Quand tu fais ça, pendant un jour, deux jours, trois jours, tu vas te rendre compte d'une chose. La présence de Dieu, tu deviens beaucoup plus sensible à la présence de Dieu, beaucoup plus sensible à l'Esprit de Dieu, beaucoup plus sensible aux instructions de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est trop charnel en toi finit par diminuer et tes sens spirituels sont éveillés et l'autorité spirituelle augmente, l'assurance augmente. Quand quelqu'un est toujours dans la prière, dans un esprit de, j'ai pas dit dans la prière, dans un esprit de prière, dans une vie de prière et de communion avec le Saint-Esprit. Dis amen. Amen. Tu seras de moins en moins ébranlé par ce que tu vois. Pourquoi? Parce que tu seras plus conscient. Dieu est là. Je me moque de savoir qui est en face de moi. Dieu est là. Même si tu vois un dragon, tu dis, qu'est-ce que tu as osé? Tombe! Alors que hier, tu aurais eu peur. Non, pourquoi? Parce que il est écrit, Paul, rempli du Saint-Esprit. Il dit, fils du diable, ennemi de toute justice, jusqu'à quand? Pourquoi? Qu'est-ce qui a donné le courage à Paul de parler au magicien Elimas? Paul, virgule, rempli du Saint-Esprit. Mon ami, sois rempli de l'Esprit. Oh, n'attends pas le temps de jeûne, sois toujours rempli de l'Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu es rempli de la parole. Quand tu es rempli de l'Esprit, ce n'est pas seulement prier, prier, non, c'est prier et méditer. Méditer. J'aime ta parole. Parce qu'on ne peut que prier sur la base de la parole. On ne peut pas faire les prières. J'ai prié, prié. Non. On médite d'abord la parole. On médite les Écritures. La parole nous pénètre. La parole nous saisit. La parole s'assit au plus profond de nous. Tu n'aimes pas la parole. Mon ami, tu n'as pas d'espoir. Tu n'as pas d'avenir. Parce que tout commence par la parole. Quand elle rentre en moi, elle est assise au-dedans de moi.
que la parole du Christ, que le message de Christ, Colossiens 3:16, demeure en vous dans toute sa richesse. Quand le message de l'évangile habite en moi, mon ami, la parole de Christ habite en moi. Quand je vais commencer à parler, je parlerai de la parole. Devant les circonstances contraires, les vents contraires de la vie, je parlerai la parole. Pourquoi? Parce que je suis rempli de la parole. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est rempli de la parole de Dieu. Il aime la parole. Il médite la parole. Oh, que cette grâce te soit accordée encore ce matin. J'ai dit que cette grâce te soit accordée ce matin. La grâce d'aimer la parole. J'ai beau essayer d'aller plus loin, mais je reviens toujours. Parce que ça, c'est la fondation. Au commencement, était la parole. Tu ne pourras rien faire si tu n'as pas appris à aimer la parole, à méditer la parole. Lève ta main droite. Que cette grâce de la méditation de la parole, cette grâce de la passion de la parole, cette grâce de l'amour de la parole, alors que tu lèves ta main pour honorer cet appel prophétique, cette grâce de la parole de Dieu te soit renouvelée dans ton cœur. Que la parole de Dieu soit une obsession pour toi. Que tu aies faim. La faim, la soif d'entendre, de méditer la parole de Dieu. Que cette soif de la parole de Dieu te soit toujours renouvelée. Et cette semaine et ce mois de novembre encore, dans le nom de Jésus, si tu reçois ces paroles, dis amen. Et vous asseoir. L'incrédulité qui provient de cinq sens. On le contrecarre par la vie de prière et la vie de jeûne. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc aujourd'hui, sois toujours rempli du Saint-Esprit. Il y a cette forme d'incrédulité qu'on appelle encore la peur. Parce que la peur emmène toujours le doute. Dis avec moi, la peur emmène le doute. Hein? Quand quelqu'un a peur, il commence à douter. Quand quelqu'un a peur, il commence à sombrer. Il a dit à Jairus... La peur vient devant ce que tu vois, devant ce que tu entends. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu entends, qu'on appelle les mauvaises nouvelles, qui peuvent te... Oh, oh. Mais, on a dit à Jairus, alors que Jésus allait pour guérir sa fille, « Oh, ta fille est morte! La mort, elle est morte! Oh, non !» Jésus a dit, « N'aie pas peur, crois seulement !» Comment est-ce qu'on réprime l'incrédulité, en la réprimant, je refuse d'avoir peur. Il faut que ta bouche le dise. Il faut que ta bouche le déclare. Je refuse d'avoir peur. Jésus a dit, n'aie pas peur. Il a dit quoi? Ne crains point. N'aie pas peur. Oh, quelqu'un dit amen. Oh. Il dit, n'aie pas peur, mais crois seulement. Autrement dit, refuse d'avoir peur. Dis avec moi, je refuse. La peur vient à tout le monde. La peur vient frapper à la porte de tout le monde. Tu es qui? Je suis la peur. Dégage! Oh, dis amen! Oh! C'est comme ça qu'on traite la peur. Moi, je suis rempli d'audace. Quand je vois les diables qui se manifestent, qui disent, on va la voir, je dis, oh, venez! Miam, miam! David a dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Il y en a qui ont peur quand ils voient des ennemis venir. Moi, je suis heureux. Il dit, oh, ils viennent. Eh bien, qu'ils viennent. On va voir qui est l'Éternel. On va voir qui est Jésus le Christ. Oh, dis-moi un bon amen. C'est le langage de foi. Il faut apprendre à protéger son cœur. L'âme préférée du diable, c'est la peur. C'est l'intimidation. L'âme préférée de Dieu, c'est la foi. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Ah, je vous dis... Quand il va venir frapper à ICC Brazzaville, on dit, fermé, je suis la peur, dégage. Et toi, tu es qui? Dégage. Je suis Christ sur terre. Christ habite en moi. Christ n'a peur de rien. Il m'a délivré de la peur. Christ a donné son taux. Christ a subi la défaite pendant quelques instants pour que moi, je n'ai plus jamais à subir une quelconque défaite. Comment je fais pour avoir peur? Peur? Mais ça va rentrer par où? Dégage. Si je parle à quelqu'un, tu dis amen et tu reçois cette grâce. Ah! N'aie pas peur, crois seulement.
Autrement dit, rejette la peur. Dis avec moi, je rejette la peur. Tu peux parler de Dieu avec ta bouche, tu l'as avec ton cœur. Je rejette la peur. Peur, la peur est une forme d'incrédulité. Je la rejette parce que la peur emmène toujours son compagnon qu'on appelle le doute. La peur emmène toujours le doute. Oh, dis amen. Regardez Pierre. Regardez Pierre. En entrant, il marchait sur les eaux. Il a bien commencé dans Matthieu 14. Il a pourtant bien commencé. Mais la Bible dit, Père, Pierre, Matthieu 14, verset 30, il dit, voyant. Pourtant, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui a dit, viens. Tout ce dont tu as besoin, c'est le réma. Quand Jésus a parlé, quand l'Esprit de Jésus a parlé, pour moi, c'est fini. Il a dit, il avance, on avance. Il a dit, construisez le temple. À la base, il dit, mais Seigneur, c'est la crise. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Il dit, construisez. Il dit, à vos ordres. Critiquer, parler, calomnier, on construit. En crise, on construit. Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement qui ne connaît pas de crise économique, pas de chômage. Je suis désolé, on construit. Ah, et puis radio trottoir dans Brazzaville. Mais comment ils font? Papa, Boloba, parlez seulement, nous on construit. Nous on avance. Le chien, il aboie et la caravane, elle passe. Le langage de la foi. Quand Dieu a dit, construisez ma maison, j'ai dit, Seigneur, on va construire. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, comment? Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il m'a dit, rien n'est trop important. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible de la part de l'Éternel? J'aime quand Dieu parle. Ah! Ah! Oh! Moi, j'aime ce Dieu-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ce Dieu audacieux? Ah! Oh! C'est comme quand il a dit, au mois de septembre, il a dit, c'est la saison des nouvelles choses. Passez de l'autre côté. Et puis maintenant, des vents se lèvent. On te dit, tu as une maladie. On te dit, tu perds ton travail. Tu perds ton enfant. On te dit toutes sortes de mauvaises nouvelles. Tu dis, ah bon, c'est une information. Mais ce n'est pas la révélation. La révélation, c'est je passe de l'autre côté. Je passe de l'autre côté. Alors, Pierre a commencé à marcher. Tout ce qu'il faut, c'est le réma. La parole de Jésus. Mon ami, quand l'Esprit de Jésus a parlé, ton problème est réglé. Oh, dis amen. Oh. Tu agis sur la base de ce que Dieu a dit. Tu connaîtras le succès, la gloire. Tu connaîtras le triomphe. Oh. Si je parle à quelqu'un, dis un bon amen. Pierre, voyant que le vent était fort. Tu as entendu? Il a vu que le vent était fort. Et sa foi a pris un coup. Oui, parce qu'il y a des vents, il y a des eaux agitées qui se lèvent contre toi. Il y a des marées qui se lèvent contre toi. Il y a des paroles que tu entends qui peuvent t'ébranler. Et voilà pourquoi il a dit, quand c'est comme ça, refuse de douter, refuse d'avoir peur. Il faut rejeter la peur. Quand elle vient, elle doit entendre mauvaise adresse. Pas chez moi, pas sur mes enfants, pas sur mon destin, pas sur ma vie. Le sang de Christ parle contre toi, démon. Le sang de Jésus parle contre toi, alliance de famille. Comment? Ah. Oh. Quelqu'un me donne un bon amen et je continue. Fais attention. Si tu ne sais pas rejeter la peur et rejeter le doute, comme Pierre, tu vas sombrer. Il y a des gens, ils ont commencé des bonnes choses. Dieu a commencé des grandes choses dans leur vie. Ils ont commencé à marcher, mais ils avaient oublié que la foi qui est petite, elle peut commencer les grandes choses. Mais au bout d'un certain temps, l'ennemi envoie toujours des vents contraires. Il envoie toujours des choses que tu entends, que tu vois, qui peuvent t'ébranler. Voilà pourquoi tu dois augmenter ton niveau de foi. Oh, quelqu'un me dit amen. C'est un grand danger que d'être quelqu'un qui doute. Ah, est-ce que Dieu a dit? Il a dit, viens. Pierre, comme il a dit, viens, marche seulement. Il y a des moments où tu fais des projets qui sont difficiles, dans un contexte difficile. Mais il a dit, avance seulement. Avance seulement. Mais Seigneur, c'est la mer rouge. La mer est fermée. Les ennemis nous poursuivent. Et il n'y a pas d'issue.
avance. Mais avancez où? Avance. Mon ami, même si c'est la marée haute, quand Dieu a dit avance, la foi de Dieu, elle ne considère pas ce qui se passe autour de toi. Elle ne considère que la parole de Dieu. Dieu a dit avance. Ok. Avançons alors. Et quand il fait le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, brusquement, la mer commence à s'ouvrir. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dit avance. Quand il t'a dit avance, il vient de donner lui-même la capacité de faire en sorte que quand tu avances sans problème. Il faut comprendre la foi de Dieu. Elle ne dépend pas de tout ce que je peux entendre. Elle ne dépend pas, voyons que la mer était agitée. Et alors, pendant que la mer agitait, l'homme de la grande foi, le modèle par excellence, la référence des références, Jésus était assis, était debout sur les eaux. Il ne coule pas. Hey! Jésus de Nazareth, le type est sur l'eau, le type est sur l'eau. Atelemi-namai, il est debout sur l'eau. Il ne sombre pas. Pierre dit, hein? Avance, viens vers moi, fais comme moi. C'est ce qu'il est en train de te dire ce matin. Dis amen. Viens, viens, vis comme moi, marche comme moi, agis comme moi, opère comme moi, suis-moi, viens. Est-ce que tu peux répondre à Jésus qui te dit, viens? Alors quand les eaux vont s'agiter, ne t'inquiète pas. La foi de Dieu ne regarde pas aux eaux qui s'agitent. La foi de Dieu a entendu, viens, alors je continue d'avancer, j'avance, j'avance. Je déclare que tu ne couleras pas parce que la foi de Dieu est ferme en toi. Oh. Tu ne sombreras pas, tu ne couleras pas. Mais pourquoi tu dis? Parce que j'ai entendu la voix, il a dit, vous irez de l'autre côté du bord. UCC Brazzaville, vous traversez de l'autre côté. Toi qui es là ce matin, tu traverseras de l'autre côté. Quand ton corps est malade, quand ton corps, toi qui es venu ce matin, souffre dans ta chair, quand il dit au son de ma voix, tu traverses de l'autre côté ce matin, ça veut dire que tu pars d'ici dans la guérison parfaite. Dans la guérison parfaite. Quand toi qui es venu, tu te sens oppressé. Il y a un démon qui t'oppresse. Esprit d'oppression. Esprit d'infirmité. Dieu a dit, tu sortiras d'ici en passant de l'autre côté. Ça veut dire, cette oppression démoniaque que tu ressens dans tes pieds, que tu ressens dans ton ventre, dans ta tête, dans tous les membres de ton corps, par le sang de Jésus-Christ, elle s'arrête, elle part maintenant. La qualité de ton amen détermine la grâce de Dieu. Oh, comment ça? Mon ami, mon frère, quand il a dit on passe de l'autre côté, toi qui cherches travail, oh c'est la gaga, c'est la galère. De l'autre côté, il y a un travail qu'on appelle l'abondance de la grâce. Et ça, c'est pour toi qui entends le son de ma voix et qui répond à la parole de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Dis amen pour toi-même. Jésus nous a dit, viens, fais comme moi, marche comme moi, suis-moi, agis comme moi. Pierre, rejoins-moi. Et toi, tu es sur le point de rejoindre la grande foi de Jésus de Nazareth le Christ. Tu ne seras pas impressionné par les vents contraires. Tu ne seras pas impressionné par les difficultés. Non, tu ne seras pas même impressionné par les mauvaises nouvelles. Oh, on a dit ça, le docteur a dit ça, la famille a dit ça. Je m'en moque. Dieu a dit, je passe de l'autre côté. Il y a quelqu'un ici, ça fait longtemps qu'on te diagnostique avec une maladie incurable. Et on te dit la maladie, elle est incurable. Et je veux te dire, Dieu parfois fait exprès, dans certains cas, il enlève la maladie. Dis amen. Et c'est le cas de quelqu'un ce matin. Dis-moi amen. Maladie incurable. Oh diabète. Oh sida. Oh VIH.
Oh, toutes les maladies qu'on appelle incurables, ou même les maladies qui sont en phase terminale. Mon frère, il y a des moments où, comme ce matin, par le sang de Christ, cette maladie se désintègre, elle disparaît là ce matin. Pourquoi? Parce que tu es dans la saison de nouvelles choses, où tu passes de l'autre côté. Mais il y a quelqu'un aussi, Dieu permet dans sa grâce, la maladie reste en toi. Et logiquement, elle doit te tuer, mais tu n'es toujours pas mort. Et on ne peut pas expliquer, mais comment il fait pour être en santé? Comment il fait pour être toujours debout? Tu es un sujet de discussion pour les professeurs et les agrégés en médecine. Dans ce genre de cas-là, Dieu dit, ma fille, par toi, je veux montrer ma toute puissance, que ma grâce est suffisante. Vis par la grâce, marche par la grâce, opère par la grâce, agis par la grâce. Est-ce que tu reçois ces paroles de grâce? Oh, il ne faut pas douter. Mais qu'est-ce qui fait que je ne doute pas? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de douter? Comment vaincre le doute? On a vu, pour vaincre le doute, on s'appuie sur quoi? La fidélité de Dieu. Ma foi s'appuie sur quoi? La fidélité de Dieu. Il a dit, viens, alors je vais venir. Pourquoi? Il est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce qu'il fait? Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce Dieu fidèle et véritable. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le Dieu qui est fidèle? Ah, le Dieu qui est fidèle. Le Dieu qui est fidèle. Oh, est-ce que tu es en train d'acclamer la fidélité de Dieu? Ah, la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu acclames la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu parle en ta faveur. Quand tu honores la fidélité de Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Avant la fin de cette année, tu passes de l'autre côté. Mon ami, ne t'inquiète pas de la mer qui s'agite. Tu passes de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, nous avons tous ici des domaines de nos vies où nous devons passer de l'autre côté. Il y a au moins un domaine dans ta vie où tu n'es pas satisfait. Il y a toujours un lieu, un endroit. Tu es reconnaissant, mais tu sais qu'il y a plus. Tu es reconnaissant, mais tu sais qu'il y a mieux. Tu es reconnaissant, mais tu sais que tu peux encore aller plus loin. Si c'est à toi que je parle, donne un bon amen. Alors c'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu parle. Il t'a dit, tu passes de l'autre côté. Et attendez, il y a parmi nous ici des gens, il y a beaucoup de domaines, quand tu comptes, dans lesquels tu dois passer de l'autre côté, avant la fin de cette année. Et en particulier, ce mois, ce 11e mois, mon ami, tout ce qui n'avait pas été fait va être intensifié, va être fait. Tu passeras de l'autre côté. Le Seigneur me dit que la vie de honte, d'humiliation, de déshonneur que toi tu as connu, quand on te regarde, on dit Mawa. On te dit, oh pitié, oh pauvre lui, pauvre d'elle. Cette vie de déshonneur, elle s'arrête et elle s'arrête maintenant. Toi qui étais habitué à toujours pleurer, Dieu dit que maintenant, tu vas tellement rire qu'on va se donner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu passes. Hey, y a la vallée des pleurs et il y a la vallée du rire. Tu vas rire. Oh, quelqu'un dit amen. Donne-moi un amen prophétique. Ah, comment? Ne t'inquiète pas. La parole de Dieu sort. La Bible dit quand elle sort sa parole, elle court avec vitesse.
réglé. Mon ami. Oh, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Acclame Dieu. C'est des paroles. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Acclame le Dieu qui parle. L'esprit de Dieu qui parle. Acclame-le. Y a-t-il quelqu'un pour honorer le glorieux Saint-Esprit? Oui, on te connaissait, Anne, la mère, la femme stérile qui était toujours humiliée. Hey, Anne, il y a une Anne, il y a un Anne qui est toujours stérile. Tu es marié, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile, ton couple est stérile, tes affaires sont stériles, ta santé est stérile. Ainsi parle le Saint-Esprit. Cette semaine et ce mois, ce 11e mois de l'année, c'est le mois où tu passes de l'autre côté, car rien n'est impossible à Dieu. Si c'est à toi que je parle, donne un amen prophétique. On te retrouve dans la lignée des femmes qui ont de nombreux enfants, qui ont un bon foyer, qui ont un foyer de paix, un foyer de joie, un foyer épanoui. Si c'est à toi que je parle, pousse un amen de foi, un amen de prophétique. Il a dit, ceux qui me servent, j'éloignerai la maladie d'eux. Les maladies qui étaient dans ta famille, dans ton corps, dans le corps de tes enfants, par la parole prophétique, elles partent et elles partent maintenant par le sang de Jésus. Elles partent maintenant. Tu vois, quand Dieu te fait passer de l'autre côté, c'est une parole. Semaine après semaine, on revient toujours dessus. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu entendes et que tu crois. Et que ces choses soient tellement établies en toi que quelle que soit la mer qui s'agite, tu dis, mer, tu t'agites pour rien. Moi, je passe de l'autre côté. Quel est le... Il y a quelqu'un ici, tu es trop intimidé par les oppresseurs. Oh, la famille a dit que toi, ils vont t'avoir. Les sorciers ont dit que toi, ils vont t'avoir. Pauvre sorcier, misérable, ignorant, ne sais-tu pas que cette âme bien-aimée fait partie de la catégorie des gens qu'on ne peut pas maudire? Est-ce que tu ne sais pas que sur la terre, il y a une race de gens qu'on ne peut pas maudire? On ne peut pas les maudire. Pourquoi? Galates 3, verset 13, nous dit que Christ, donne-moi Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? Il est devenu malédiction à ta place. Quand tu es né en Christ, tu ne peux pas être maudit parce que Christ a été maudit à ta place. Et comme il a été maudit à ta place, il t'a donné la bénédiction. Toute forme de malédiction, d'enchantement, d'envoûtement, de sort prononcé contre toi qui entends le sang de ma voix par le sang de Jésus et la puissance du glorieux Saint-Esprit, ces malédictions qui pèsent sur ta vie sont détruites. Elles sont détruites. Elles sont détruites. Elles sont détruites. Elles sont détruites par la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un reçoit ces paroles, donne un amen de foi. C'est la saison des nouvelles choses. Ne doute pas. Comment je fais? Attache-toi à la fidélité de Dieu. La raison pour laquelle tu doutes beaucoup, quand on voit ton estomac spirituel, la parole ne demeure pas en toi. Tu n'as pas reconnu, tu n'as pas encore rencontré le Dieu fidèle qui garde son alliance, qui garde ses promesses, qui protège ses enfants. On l'appelle le Dieu fidèle.
Oh, gloire à Jésus le Christ. Il est le Seigneur et il est fidèle. Il garde son alliance. Il garde son alliance. Est-ce que tu peux donner des acclamations à Jésus de Nazareth, le Messie? Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit Amen. En réalité, le message du jour, je dois le commencer maintenant. C'est maintenant que je dois commencer le message d'aujourd'hui. Mais comme on arrive à la fin, donc je ne le commencerai pas aujourd'hui. On le gardera pour la semaine prochaine. Parce qu'il y a une autre forme d'incrédulité qui est dévastatrice, qui est destructrice, mais que les gens ne connaissent pas. L'incrédulité, c'est un ennemi de la foi. Et il faut protéger ton cœur. Mais la semaine prochaine, Dieu nous fera la grâce de regarder par sa grâce un thème très important, une forme d'incrédulité qu'on appelle l'offense. Dis avec moi l'offense. Ah oui, mon frère, le scandale. Dis avec moi le scandale. Je te donne le titre pour que la semaine prochaine, s'il y a taxi, pas taxi, tu sois là. Chaque dimanche, ils s'assemblèrent pour entendre la parole de Dieu. D'ailleurs, quelles que soient les pénuries de carburant qu'il y a ou qu'il n'y a pas, nous ne serons pas affectés. Mon ami, s'il y avait un taxi sur 1000, les taxis, je les réquisitionne par la puissance du Saint-Esprit pour transporter le peuple à ce lieu de culte. Toute cette semaine de jeûne et de prière, nous ne serons pas impactés par quoi que ce soit. Les vents qui s'agitent autour de la ville ne nous toucheront pas. Cette semaine, nous répondrons à la sainte convocation de Dieu. Et écoute-moi, tu seras même surpris de voir des gens qui vont te dire, monsieur, je ne sais pas où vous allez, mais je suis chargé de vous déposer où vous allez. Ça sera ton partage. Le juste vivra par la foi. Dis Amen. Tu n'auras aucun problème à honorer Dieu cette semaine. C'est la semaine de la convocation solennelle. Dis Amen. Cette semaine, nous viendrons servir Dieu pour manifester Christ. Dis Amen. Cette semaine, le monde des ténèbres doit reculer encore dans la ville et dans le pays. Dis Amen. Et ça passera par la parole et par la prière que nous allons faire monter vers Dieu cette semaine. C'est une semaine de rencontre, de rafraîchissement divin. Mon ami, mon frère, Dieu a parlé. Quelle que soit l'agitation, Dieu a déjà parlé. Quand il a parlé, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Acclame-le, célèbre-le, bénis-le. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Oh, prends tes deux mains pendant quelques instants. Il y a des domaines où tu dois passer. Acclame le Dieu qui te fait passer. Acclame-le. Rends-lui gloire. Rends-lui honneur. Appréciation. J'ai dit quelqu'un l'acclame ce matin. Ce n'est pas une obligation. Fais entendre des bruits. Fais entendre des clameurs. En l'honneur de Jésus le Messie. En l'honneur de Jésus le Christ. Quelqu'un dit Amen. Si tu as reçu quelque chose ce matin, si Dieu a parlé, comme tu avais prié au début, si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, lève tes mains, rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Le pasteur n'est que le micro. Celui qui parle derrière le micro, c'est le Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit. Rends-lui gloire. Si tu veux garder le dépôt que tu as reçu, mon frère, ma soeur, tu passes. Tu passes. Et tu rejettes toutes les formes de doute, tu passes. On combat le doute par la fidélité, par la méditation sur la fidélité de Dieu. Il m'a envoyé ce matin. N'oublie pas pour te dire que l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu qui est fidèle. Il garde son alliance. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Rends-lui gloire. Bénis son nom. Donne-lui une appréciation de qualité. Donne-lui un remerciement de qualité. Honore-le, célèbre-le. Rends gloire à Jésus. Honore le ministère du Saint-Esprit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Père, dans le nom de Jésus, le Messie,
Nous t'avons rendu grâce. Nous t'avons reconnu. Nous t'avons honoré. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, nous t'honorons. C'est par toi que nous avons parlé. C'est par toi que nous recevons la parole. Et nous gardons le dépôt. Toutes les paroles libérées ce matin s'accompliront. Et s'accompliront certainement. Parce que toi, tu es fidèle. Tu donnes une parole et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la force, l'autorité, le pouvoir, l'adoration, la magnificence. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons rendu grâce. Et quelqu'un qui a rendu grâce, fait entendre un amen d'action de grâce. J'ai dit, fais entendre un amen d'action de grâce. Une dernière fois, donne un bon amen. Bravo, Seketaka. Gloire à Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous le chérissons. Nous bénissons Jésus, le Messie. Jésus, le Sauveur. Jésus, notre passion. Jésus, notre trésor. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus le Christ. Nous t'aimons, nous t'appartenons. Nous sommes privilégiés de t'appartenir. Merci pour ta parole, parce que tu es la parole. Tu as donné ta parole à ton peuple. Parole prophétique pour une saison prophétique qui requiert de notre part une réponse prophétique, un comportement prophétique. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le glorieux Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons rendu grâce et nous sommes reconnaissants et nous t'apprécions et nous t'honorons et nous te célébrons. Dieu notre Père, notre trésor et notre richesse, à toi la gloire et la puissance, le conseil et la force, la splendeur et le triomphe, la majesté et la domination, hier, aujourd'hui et d'éternité en éternité, dans le nom du Christ, Jésus de Nazareth. Quelqu'un donne un dernier amen. Oh oui, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, quelqu'un qui a reçu quelque chose, donne un amen. Toutes les paroles que Dieu donne, il y a plusieurs manières d'honorer la parole de Dieu. Si on la croyant, je réponds en croyant, je dis cette parole, c'est pour moi. Mais comment Dieu va faire? Ce n'est pas toi qui dois savoir comment Dieu va faire. Dieu, il fait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ce qui importe, c'est le résultat. Fini les pleurs, fini la confusion, fini la frustration, fini la honte, fini le rejet. Tu passes de l'autre côté. Dans la vallée du rire, tu étais dans les pleurs, tu passes dans la vallée de la réjouissance, dans la vallée de l'allégresse, dans la vallée de la joie, de la santé parfaite, de la bénédiction financière, de la bénédiction matérielle. Tu passes de l'autre côté, là où tu as besoin de passer de l'autre côté. Ces paroles s'accompliront. Et elles s'accompliront certainement. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu veux encore acclamer le Saint-Esprit, le Père de gloire? Hey, tu n'en feras jamais trop. Non, tu n'en feras jamais trop. Gloire à Jésus, le Messie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aime ce matin? Oh, gloire à Jésus. Amen. Vous savez, quand je demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aime, je ne parle pas à toi, je parle à quelqu'un qui l'aime. Donc si tu ne l'aimes pas, ne réponds pas. Mais je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui l'aime. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aime ce matin? Oh. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Oh. C'est bizarre. Aïe, c'est ça, on dit, ah ouais, là-bas, c'est les francs-maçons, c'est les trucs. Mon ami, le jour où les francs-maçons vont commencer à aimer ce Jésus, et ça viendra. Ils sont en train de venir ici, aïe, c'est ça, non? Il y en a qui viennent pour espionner. Touché par la parole, touché par la grâce. Il dit, je ne connaissais pas Dieu, mais j'ai rencontré Dieu dans cette assemblée, dans cette église. Ha. Oh, dis un mot, amen. Oh.
Il y a des gens, depuis qu'ils viennent ici, c'est comme si leur cœur commence à aimer Jésus tellement. Mon ami, c'est parce que Jésus est ici. Oh, que ceux qui l'aiment l'acclament. Gloire à Jésus. Oh, nous l'aimons. Nous l'honorons.